présentez-vous. Je suis M. Boisseau Fernanda, le chef de la génération Soué de Mons. M. Amon Amzou, chef de la catégorie Moustopha. M. Miesan Joseph, chef guerrier de la catégorie Djamanibé Noudjou. Du quartier Koumansi. Lui, c'est M. Anzeni Charles, chef guerrier de la catégorie Atiblé de la génération Noudjou du quartier Koumansi. En pays abouré, le roi règne, mais ne gouverne pas. Ce sont les générations qui gouvernent. Et les générations, il y a quatre générations. Il y a quatre générations. La génération des pères et des fils au quartier Koumansi, la génération Noudjou et la génération Inoué. Au quartier Beniri, il y a la génération Loussoué et la génération Benipoué. La génération qui a le pouvoir, c'est la génération Noudjou qui dirige le village avec la génération Loussoué. Donc je suis le chef. Une génération gère le village en commun encore avec une autre pendant 15 ans. Elle cède le pouvoir à une autre, ainsi de suite. Pour destituer un roi en pays abouré, c'est que le roi a commis des fautes graves. Et avant de le destituer, il y a une procédure. Cette procédure, nous l'avons suivie. Le roi Assoumou Kanga s'est permis de faire des choses qui ne plaisent pas à la population. Assoumou Kanga a vendu toutes les terres du royaume de Mossou. Aujourd'hui, le royaume de Mossou n'a pas de terre. À Mossou, il y a sept grandes familles. Les sept grandes familles, chaque famille a ses terres. Mais il est le garant moral. Mais cela ne veut pas dire qu'il est le propriétaire de toutes ces terres. Même au sein de la grande famille Samandjé, donc il est issu. Il n'est pas le seul membre de la famille. Un bien familial n'appartient pas à une seule personne. Mais il a tout vendu. À tel point qu'aujourd'hui, chaque génération qui fait sa sortie doit créer un nouveau quartier. Là où nous sommes présentement, nous sommes au quartier Bloussoué, le site de la génération Bloussoué. Ce site aujourd'hui qui a failli la destitution du roi. Le roi, pendant plusieurs fois, il a été interpellé pour ses actes. Revenu un peu en arrière, on a eu l'affaire Escaf. Escaf, c'est une scierie qui est sur le site ici de la génération Bloussoué. Une scierie cédée par nos grands-parents à la société Escoa pour faire une usine. Et il était question qu'Escoa employait nos grands-parents pour travailler. Quand Escoa partait, Escoa a cédé l'usine qui est devenue après Escaf. Escaf a cédé l'usine à un Libanais du nom de Fadou. Le Libanais a acheté l'usine, il n'a pas acheté le village de Mossou. Voilà qu'un matin, le Libanais nous a signé en déguerpissement. Depuis le deuxième quartier, en passant par le pont, le cimetière, par l'autoroute jusqu'à Flamboyant, Escaf nous dit que c'est sa propriété. Mais un Libanais qui vient dit à tout un peuple que le village m'appartient, bon, chez qui il faut se rendre? Il y a un roi, il y a les chefs de génération que nous sommes.
nous nous sommes rendus à la cour royale, chez le roi, dans son bureau. Le roi était là, les chefs de la génération Bruce Wayne, lui avons posé le problème. Le roi nous a répondu en ces termes que vous-même, vous ne savez pas que ça appartient à Escaf. Donc, le village que toi tu diriges appartient à Escaf et que Fadoul lui a promis des terres. J'ai dit, mais attends, entre toi et Fadoul, qui doit céder une terre à qui que ce soit, toi qui es le garant moral de ces terres, c'est pour de l'argent. Et que si nous on a les moyens pour pouvoir aller en justice avec Fadou, on part parce que lui, il ne peut pas nous accompagner dans ce combat. Pourquoi? Parce que Sa Majesté Assoumou Kadar est allé au Burkina. Il a été reçu par Fadou et il a pris une enveloppe avec Fadou. Un roi peut vendre son village. Ok. Quand nous sommes sortis de chez lui, nous sommes partis se réunir. Puisque quand il a pris l'enveloppe avec Fadou, c'est au Burkina qu'il a remis l'attestation. Nous avons convoqué une réunion. Et la population du quartier Beniri est sortie. Femmes, enfants, vieux, tout le monde. Et on a posé ce problème. Séance tenante, on s'est tous déportés à la cour royale sous une forte pluie. Le roi était assis dans le palais, il nous a vus dans la caméra. Le roi n'est pas sorti pour nous recevoir. Trois jours après, il convoque une réunion au palais, on arrive. Le roi n'est même pas en mesure de s'excuser pour dire que la dernière fois vous étiez sous la pluie, je ne sais pas de quoi il s'agit, même vous êtes sous la pluie, je m'excuse si je ne vous ai pas reçu. Mais le roi se permet de nous dire que nous sommes venus traumatiser ces petits enfants qui sont venus de l'Europe. Mais c'est un palais royal. Un palais royal, c'est la maison de tout le monde. Mais il a été hué par les femmes de la génération à la cour royale. Et il ne nous a pas accompagnés. Nous sommes partis au tribunal. On a écrit au président de la République. On a écrit au premier ministre, au ministre de l'Intérieur. On a écrit au roi de Benoît. On a écrit au roi des bras, y compris lui-même, le roi de Bosso, et la notabilité, pour leur signifier ce qui se passe et que nous sommes en justice avec Escaf. Personne, ni le roi, ni les notables, nous ont accompagnés dans ce combat. Quand vous êtes dans la vérité, après enquête, la justice a découvert que la SCAF a fait du faux. Parce que les titres fonciers qu'ils ont brandis, eux-mêmes, ils ne savaient pas de quoi il s'agit, les limites. Ils ont vu que c'était du faux. La SCAF a été débouté. Et la génération de soi, à son chef que je suis, ont gagné notre procès contre la SCAF. Assoumou Kanga nous convoque en décembre au palais royal dans son bureau. Il dit, je vous porte une information. Quelle est cette information? J'ai un projet hôtelier là et que je veux 2 hectares. J'ai pris 2 hectares dans la parcelle de la génération pour construire. Alors, ok. Maintenant, on va arriver au clash. D'accord. Le
ce qui n'a pas marché, c'est pour ça que je fais l'historique. Et lorsqu'il a décidé de prendre et que nous, on a refusé, on a été convoqué chez le préfet, reçu par le secrétaire de la préfecture. Pendant nos échanges, l'opérateur Hippo brandit une attestation de 2 hectares 800 signée par le roi depuis le 22 février 2023, nota bene, parcelle cédée par la génération Boussoué. C'est que la génération Boussoué n'a jamais cédé de parcelle à qui que ce soit. Et lui-même, Sa Majesté, il a signé une attestation de 2 hectares. Donc ça fait 4 hectares 800. Quand nous sommes sortis de là, chez le préfet, il y avait la présence de son protocole Ouattabodji, la présence du chargé de foncier Guy Wenou, qui a pris la parole et qui a dit au préfet, au secrétaire général de la préfecture, que j'ai honte parce qu'une histoire comme ça, ça doit se régler au village et non dans l'administration. Et comme le roi lui-même, il n'a pas respecté les mandats et qu'il allait dans l'administration, nous sommes revenus au village vers le notable pour leur porter l'information, pour dire que voilà qu'il a eu vice de procédure. Les notables nous ont dit qu'ils ont hâte. Et comme il est en voyage, à son retour, ils vont le rencontrer et puis essayer d'échanger. Ok, ok. Donc en conclusion, qu'est-ce que nous devons retenir pour... En conclusion, ce que vous devez retenir, c'est la suite de tous ces problèmes. Et comme on a refusé de lui céder cette parcelle, c'est sur ce site-là que nous sommes présentement. Le roi est venu faire une libation pour nous maudire. Comme on a refusé de lui donner, maudit toute une génération. À Mossou, le roi règne, mais le roi ne gouverne pas. Ce sont les générations qui gouvernent. Et comme ce sont les générations qui gouvernent, c'est les générations qui ont le pouvoir de destituer un roi. Donc hier, les générations sont sorties, ils ont prévenu sa famille pour nous trouver un nouveau roi, nous ne voulons plus de lui. Et hier, les générations sont sorties, soutenues par les Nundjou. Ils sont au pouvoir, voilà les guerriers de Nundjou. Parce que en pays Abouré, lorsque vous voulez destituer un roi, la génération au pouvoir, même s'il y a un guerrier parmi vous, c'est consommé. Donc les Nundjou étaient avec nous, et tous les guerriers Nundjou étaient avec nous hier, et le roi Assoumou a été destitué. Et la destitution, c'est quoi? De façon symbolique, il faut lui retirer la chaussure. Et c'est ce qui a été fait, sa chaussure a été retirée. À compter de ce, depuis hier, Assoumou Kanga n'est plus le roi des Abouris. N'est plus. Donc fini. Tout ce qu'il va faire n'incombe que lui. Ça n'engage pas le royaume de Mossou. Tout ce qui est en train d'être écrit, ou bien on voit sur les réseaux sociaux, c'est une poignée de personnes. Donc il a toujours ces personnes dans sa poche, comme Aoussi, Laurent et sa bande. Nous, génération Lusou et Nundjou, nous avons mis fin au règne et aux agissements d'Assoumou Kanga. Alors on va reposer la question encore pour que mieux la communauté internationale puisse comprendre et la Côte d'Ivoire puisse comprendre. Vous venez de nous dire que le roi Assoumou ne me filme pas. On ne me filme pas. Vous venez de nous dire que le roi Assoumou n'est plus roi de Mossou, de Bassam et en Côte d'Ivoire parmi tous les rois que vous venez de mettre fin. Vous pouvez nous répéter ça? Je dis, au nom de la génération Nundjou de Mossou et la génération Bloussoué de Mossou, Assoumou Kanga n'est plus le roi des Abouré. Assoumou Kanga n'est plus le roi des Abouré. Le chef de la grande famille, Assokopoué, comme dans nos us et coutumes, va assumer l'intérim jusqu'à ce que la famille royale, la famille Samandjé, puisse nous trouver un nouveau roi. Je vous remercie. On va passer à la table de...